amis, c'est Darkrai et aujourd'hui on se retrouve sur Killzone Shadows Fall, le jeu qui a fait parler de lui par sa beauté graphique, par son style, par son... Bah, surtout par sa beauté graphique et surtout parce que c'est sorti en même temps que la PS4. Et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé, j'ai eu le jeu grâce à la PS4, donc merci à elle, merci PS4 chérie. Bref, donc voilà, donc je vous propose de faire une petite série de On débute sur Killzone Shadows Fall, parce que oui, je débute aussi sur ce jeu. Alors, faut savoir que la plupart des on débute seront sur le mode multi des jeux. De toute manière, je pense que vous l'aurez compris. Donc voilà, donc je crois pas qu'il y ait des niveaux. Je crois pas qu'il y ait des niveaux. Donc on va commencer tout de suite en 24 player deathmatch, en espérant qu'on trouve une partie très très rapidement. Voilà, mais il y a des parties actives, c'est très bien. Par contre, j'aimerais beaucoup mettre en muet. Y a-t-il moyen de mettre en muet sans déconner? Parce que là, je les entends déjà, là, ça va pas le faire, je pense. Option de la partie, tir, combat rapproché, oui. Vitesse. Attendez, c'est moi l'autre ou je comprends pas vraiment en fait. Je comprends pas du tout. Tu as le backup de l'équipe? Non. Putain, j'ai pas eu le temps de le retirer. Oula, bon. On va quand même essayer de. Vraiment que je les mette en muet. Désactiver, voilà. 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 Bon. Ce sera un petit peu plus calme. Bon, alors je débute sur ce jeu. Hein. Ne m'incendiez pas. Hein. Je suis vraiment noob. Wow! Ah ouais, ça tire. Ah non, c'est pas des balles que ça tire là. C'est plus une mitraillette là. Faire quoi qu'il est pas mort. Attendez. Je vois pas du tout. Par contre graphiquement, il y a de la lumière sur ma télé, mais graphiquement ça a l'air vraiment pas mal. Oh zut. Oh là là. Putain, c'est quoi ces boucliers rouges là? Ah, je pense avoir compris. On est dans le futur, c'est vrai, on est dans le futur, on est dans le turfu. Donc en clair, ben les boucliers ils peuvent se cacher derrière, eux ils prennent pas les balles mais nous on les prend. Donc c'est très très pratique. Attendez, ils tirent, mais ils tirent sur quoi? Oh, on a fait notre premier kill. Oh my god. Ah, j'ai cru que c'était un allié. Ah les gens, je vous jure, j'ai cru que c'était un allié. Attends, j'ai toujours l'habitude de faire carré au lieu de... X. Allez. Ah zut, c'était quoi ça? Mais en fait, il y a plein de choses que je comprends pas. En fait, c'est surtout ça et qui sont là. Et moi, je comprends pas du tout. Donc déjà, on est arrivé sur une partie qui est en train de se finir. On a fait un seul kill. Au moins, c'est déjà ça. Vous allez me dire, bon, voter la forêt, vestige. Ah, on peut voter pour plusieurs maps en fait. Bien sûr, le plus fort de notre équipe se fait tabasser parce qu'on a perdu. Comme dans Red Dead Redemption, je sais pas si vous avez connu ce jeu, mais en tout cas, il est pas mal. Fuck. Ah, mais ça va pas le faire là, je les ai pas mis en muet. Je les ai mis en muet pourtant. Oh, la carte du joueur, non, c'est pas ça. Comment on les met en muet? C'est pas comme ça, oh là 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 là. Bon, d'accord. Bon, admettons. Bon, en tout cas, je suis... Bah, j'ai fini 17ème. Hein. Ok, bon. Bah, comme on disait, bah, on débute sur Killzone. Bien sûr, je vais certainement prendre beaucoup de temps à m'habituer à ce jeu. Donc, bon. Ne vous attendez pas à ce que tout de suite je sois OP, que je vous fasse des trucs de malade. C'est eux en fait, c'est des vers qui sont susceptibles d'avoir
Enfin, qui sont dans mon équipe, quoi. Bon. Qu'on faut appuyer sur X, c'est ça? Ah, d'accord, fallait attendre que ça commence. Là, je suis où, là? Bon, d'accord. Attendez, je vais le suivre, il a l'air de savoir où il va. Poisse, magnifique, regardez-moi l'eau. Oh la lance, quoi, vraiment dans la vraie vie, là. Oh, putain. Oh, claque graphique, mes gars. Les gars. J'avais envie. Ok. D'avoir des gens par là, on va plus contourner pour essayer de voir si on les prend pas par derrière. Alors, à ce qui paraît, les couteaux sont comme. C'est quoi cette arme pas précise du tout là? Bah oui, je me suis fait repérer comme un con. À ce qui paraît, les coups de couteau sont comme Battlefield, c'est-à-dire qu'il y a une petite cinématique avec. Alors, je sais pas si c'est un avantage ou bien un défaut. Je vais tout de suite. Oula, il m'a fait flipper lui. Là, tu crois que j'étais méchant? Ta merde. Attends, je vais essayer de le contrôler. Voilà, c'est de ça que je parlais. Et je trouve que c'est assez stylé. Voilà. Allez! Oh oui. Allez! Allez! Putain, fais chier, j'ai trop du mal à viser. Au moins, déjà, je fais plus de kills que sur Call of. Ça, c'est déjà ça. Il y a moins de campeurs aussi. Donc, je crois que je vais faire pas mal de vidéos sur ce jeu au lieu de faire sur Call of. Hein, au final, enfin, faut aussi savoir qu'il y a, Titanfall qui va bientôt sortir. Donc, c'est un jeu où je vais passer du temps aussi, je pense. Si tout se passe bien. Donc je regarde un peu la map, hein, bien sûr, hein, parce que je suis pas du tout. Donc les snipers ils sont tous ici. J'ai trop du mal à repérer les ennemis. Putain, je les vois même pas. Zut, 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 zut. Au moins on meurt déjà moins rapidement que sur Call of, ça fait déjà pas mal de différence et face à face assez plus intense, je dirais. Surtout des face à face plus intenses. Bon, il y a quelqu'un là. Merde. Merde. Putain, il a un pont. Oh putain, il y a un gars qui m'a sauvé là. Merci mon gars. Par contre, ça recharge vraiment lentement. J'espère qu'il y a un passe-passe. J'espère vraiment qu'il y a un passe-passe parce que sinon on est pas dans la merde. Ça part pas. Voilà. Putain, j'ai plus. Allez. Allez. On l'a eu. Ah non, il l'a sauvé. Oh, il l'a sauvé le bâtard. Oh, il l'a sauvé. C'est ça le problème avec les cinématiques. On peut sauver le coéquipier avant qu'il se fasse cut. Bon, après, c'est pas souvent un problème, hein, mais bon. Bah, par exemple, je vais déjà eu mon kill. Je sais pas si vous l'entendez aussi, mais j'entends les balles qui fusent dans mon casque. Oh, c'est vraiment bien fait, c'est vraiment bien fait. Il y a du mérite, il y a du mérite. Yeah man. Yeah, a fucking stand nigga, bro. Je sais pas ce que c'était. Fallait se douter qu'il était en haut. Fallait se douter. Et on aurait dit qu'il campe aussi. Alors peut-être que les campeurs de Call of sont venus sur Killzone. On sait pas. Hein, peut-être. Donc on débute et moi je trouve déjà que je suis plus à l'aise sur Killzone. Ouais, vous pouvez laisser en commentaire si vous êtes pas d'accord, hein. Moi je trouve que je suis plus à l'aise sur Killzone que sur Putain, coup de pompe. Ouais, je suis plus à l'aise sur Killzone que sur Call of Ghost. Je trouve que le jeu est d'ailleurs moins et mieux fait que Call of. Donc Call of a des soucis à se faire. Si son problème c'est même plus seulement Battlefield, c'est aussi Killzone. Franchement là, Call of Duty a intérêt de changer sa sauce tartare, moi j'ai envie de dire, hein. Parce que là, il envoie du lot graphiquement là. Call of Duty ne suit plus. Call of Duty ne suit absolument plus les gens. Attendez. J'ai cru que c'était lui qui m'avait buté. J'allais dire, mais c'est quoi ce bordel? Parce que je voyais se relever. Bon, mais on va y arriver. Donc voilà. Donc je prépare déjà Road to Dark.
World of Dark, d'accord, d'ailleurs. Enfin, je sais pas comment je vais appeler ça, World of Dark, World of Darkness, World of Darkcry. Je ne sais pas encore comment je vais l'appeler, mais en tout cas, il aura. Oh, really? Je sais qu'ils vont monter par là. Même pas. Mais en tout cas, il aura un nom. Et il sera là pour FIFA. C'est quoi ça? Bordel de merde. Allez, allez, je le bute avant qu'il me bute. Putain, mais regardez-moi l'avalanche de balles que j'ai lancé dans ce truc. En plus, il a spawn sur moi, j'ai rien compris. Bon. Bon. On va y arriver, hein. On va y arriver. Je crois que la réelle concurrence de Battlefield, c'est Killzone, hein, aujourd'hui. Tant d'aujourd'hui, Call of ne fait plus vraiment... n'est plus vraiment dans le game. Si on peut dire ça. Allez. Oh putain. Il faut appuyer sur le bouton. Il y a moyen de monter plus vite peut-être. Attends de voir s'il y a personne. Oh my god. Peut-être descendre. Juste descendre comme ça. Voilà. Et puis on se barre. Parce que je savais pas du tout de quel côté il était. Attendez, on va lancer une petite grenade. Et on va passer de l'autre côté. On va aller se planquer un peu, même pas. Putain, je sais pas du tout où il est en fait. Je peux pas fuir quelqu'un que je ne vois pas. Je crois que c'est un truc en l'air en fait. Enfin, je savais pas du tout ce que c'était. Je crois que c'est pas lui qui me tirait depuis le début, hein, parce que je le voyais pas du tout. Et j'entendais genre des bruits comme si c'était un avion hélice qui volait. Donc après j'ai vu qu'il y a pas mal d'outils. D'outils aussi, donc peut-être que c'était ça, peut-être pas. Ah voilà, c'était ça. C'est bien ce que je pensais. You guys are very welcome. Ah ben welcome, merci, hein. Bienvenue à toi aussi, merci de m'avoir buté. Bon, par contre, on va peut-être le mettre en muet lui aussi. Everybody can die now. C'est toi qui nous casse pas les oreilles, lui. Voilà. Non, pas que j'aime pas les anglais, mais bon. Pas durant ma partie. Alors, les parties sont assez longues, donc je vais vous proposer une partie par vidéo. Je pense que vous l'aurez compris, une ou deux parties par vidéo. Parce que là, j'ai. Attendez. Combien de temps qu'on filme? Ah ouais, ça fait. Putain, mais je regardais l'heure, bon, c'est pas grave. De toute façon, j'avais pas pu faire grand chose, il est caché derrière son hologramme de bouclier là. Attends, on va passer par en dessous. On va passer par en dessous. Merci beaucoup. Ouais, j'imagine, ils auraient mis l'hologramme de bouclier ici. Et ils auraient carotté à chaque sortie. Mais bon. C'est quoi ce truc là? Ah d'accord. Pourquoi il me tire dessus? Faut savoir dans quel clan tu es, mon gars. Hein, oh! Par ici, par là. Voilà. Allez! C'est bien. Alors on va rester ici. On va pas camper non plus, on n'est pas des campeurs. Je déteste les campeurs. Oula, il est où? Ouh, mais c'est pas possible. Le pire, c'est que je me fais jamais tuer par ces gros trucs là. Je me fais surtout tuer par les gars, par ceux qui l'ont créé, quoi. Limite, il se retourne et puis bam, bam, bam. Moi, je trouve que c'est stylé par contre. Déjà couvert comme ça, déjà pour commencer. Bon, c'est une petite référence à Battlefield aussi. Mais en plus le flingue, le petit laser qui passe sur chaque flingue, je trouve ça stylé. Je trouve ça assez stylé. C'est un viseur laser assez spécial et moi je trouve ça stylé. Putain! Bordel de merde. Attendez. C'est surtout le gars que je veux. Voilà. C'est surtout lui que je veux. Va te coucher. Mais il est où? Il y a un truc qui me mitraille là. C'était. Oh mais non, mais non, mais non. Par contre, ça c'est vachement cheaté, moi j'ai envie de dire. Vachement cheaté. Donc bon.
Attends, je suis où là? Ah ouais, d'accord. Spawn a changé, on dirait. Ah non, 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 il a pas changé. Bon. Mettez-moi F en commentaire. Ça va qu'on a dit tout le temps. Il est là. Est-ce que je le bute, ce truc? Attendez. J'ai vu un truc passer là. Putain, j'ai tellement de mal à viser, les gars. Putain, je vois charger. Et c'est dommage qu'il n'y a pas passe-passe parce que là, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ah, pile là-haut. Putain, j'ai buté les deux, j'ai buté son truc et lui-même. Oh là, il a compris qu'on spawnait ici, je crois. Non, même pas. Voilà. Oh my god, ils sont trop. Ah, je vais pas pouvoir. Tout seul là. Tout seul, c'est absolument impossible. Putain, ma vie ou pas? Putain. Non, c'est bon. Putain. Peut-être qu'on récupère un peu. Ah bah quand même. C'est quoi ça? Je croyais que ça allait pas se détruire, je me suis dit putain. C'est quoi ça? Ok. Ah attends, je l'ai vu. Putain, il m'a vu. Putain, je croyais qu'il allait venir. Oh putain, mais j'allais lui mettre un coup de couteau aussi, je suis dégoûté. Je suis dégoûté, je suis dégoûté, je suis dégoûté. On peut voir les scores? Je suis loin derrière. Je vais dans le VSA, c'est quoi ça? Ouais. Puff, puff, puff. Puff, 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 puff. Je vais essayer de retrouver pour voir le gars qui m'a buté parce que je suis quelqu'un de très... très revanchard. Oh fuck. Et il a cru qu'il était dans le bouclier. Ah c'est mon équipe. C'est encore meilleur. Plus de points. Plus de points. Faites couler les points. Les points à flot. À flot. Ça fait déjà pas mal de temps de vidéo. Mon dieu. On a fait qu'une seule partie quoi. Mais c'est pas possible. Non, soit ils veulent vraiment passer dans ma vidéo, soit voilà quoi, ils font exprès. Parce que je crois que j'ai entendu la voix de quelqu'un. Attends, on va pas passer par là. Déjà les déplacements sont plus fluides aussi que Call of Duty, vous êtes moins limité. Limite on a l'impression que Call of Duty c'est Android. Genre tout le monde là, mais il est loin d'être meilleur que Apple. Bien sûr, c'est mon avis. Hein. Ne me. Putain. J'étais pas couvert. Ah. Non, les parties sont foutrement longues. Et au moins, ça vit. Ah, c'est pas comme Call of Duty où tu te fais tuer 15 000 fois par la même personne au même endroit. Parce que la personne campe, c'est pas ça du tout, au moins c'est beaucoup plus fluide, comme je disais. Une minute. Alors on a de quoi faire un dernier petit kill ou bien un enchaînement de kills, peut-être. Passe par là, non? Non. Passe par là, non? Oula! Alors c'est moi qui l'ai détruit. Putain, merde! Excusez-moi. Putain, mais je me fais toujours buter par un autre alors que je suis en 1 contre 1 contre un gars là. Putain, en 30 secondes, je vais jamais arriver jusque là. C'est clair et net. Peut-être on envoie une petite grenade de la chance. Je suis où là? Putain, j'espère de l'autre côté en plus, on dirait.
Oh là 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 là. 13, 12, 11. On va le prendre comme ça. Il est au moins buté ce week. Ah bah quand même. Voilà, maintenant on peut faction gagner tranquille. On peut gagner tranquillement. Bon. Et bien voilà. Je ne suis pas dedans, bien sûr que non. Je débute. Hein. Je débute, oui. Oh. Oh le méchant. Oh ça c'est bad ça. Oh là là. Oh, bien humilié comme il faut. Donc voilà, c'était le premier épisode de On débute sur Killzone Shadows Fall. Et bien sûr, on a fait 19 morts. Non, on est mort 19 fois, on a fait 13 victimes. Bon ben, j'ai envie de dire c'est un bon début. Non, c'est un très mauvais début, mais c'est pas grave. Au moins, on a fait des kills et c'est bon. C'est ça le meilleur. Bon ben, sur ces personnes qui m'empêchent de parler, on va se quitter, voilà. Et puis voilà, ah oui, mes premières impressions de ce jeu. Alors ben je vois que déjà graphiquement effectivement il est vraiment beau graphiquement. Après peut-être c'est le fait d'être passé de Call of Duty à Killzone, ça fait peut-être un gros changement aussi. Parce que voilà, on peut courir en illimité. Les armes sont pas pareilles, donc pas la même cadence, je les connais pas du tout ces armes en plus. Je crois que j'ai pris une arme au pif, j'ai même pas vu les classes. Donc bon, on aura le temps de voir tout ça. Au prochain épisode, voilà, on aura le temps de découvrir un peu, parce que je vois qu'il y a plusieurs modes. Bon, pas autant de modes que dans Call of Duty, je crois. Bien, j'ai raté quelque chose, peut-être. Mettez-le en commentaire si j'ai raté quelque chose. Si vous voulez que je fasse quelque chose quelque chose de spécial pour le prochain épisode, mettez-le en commentaire, hein, surtout, n'hésitez pas. Je le ferai, je répondrai, etc. Donc voilà, donc n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire si ça vous a plu. Et sur ce, on se retrouve pour le deuxième épisode de cette série. On débute sur Killzone Shadows Fall. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao, peace, bye.